Bonjour, bienvenue au Tampon. Donc là, vous êtes chez moi, à l'entreprise Signaux Naturels. Je m'appelle Waro Claire-Élise, j'ai 28 ans et mon entreprise s'appelle Signaux Naturels. Elle a été créée en décembre 2020. Pour créer mon entreprise, j'ai eu l'aide du TAJ. Donc j'ai été suivie avec la boutique de gestion Sud. Alors Signaux Naturels, en fait, c'est une entreprise qui propose des services qui est axé autour de la langue des signes bébé et de la langue des signes française. Donc je propose divers prestations. Ça part des cycles d'ateliers bébé signeur, donc là où je travaille avec des particuliers ou des professionnels, des crèches, des mâmes, etc. Ça passe aussi par des formations, donc en langue des signes ou en langue des signes bébé. Et aussi je propose aussi des cours hebdomadaires, donc un peu comme des cours d'anglais, une fois par semaine en fait, mais en langue des signes du coup pour les enfants. Et je vais mettre en place aussi bientôt pour les adultes. Les ateliers de langue des signes bébés sont destinés aux personnes porteuses d'handicap ou non, aux parents, aux femmes enceintes et aux enfants de la naissance jusqu'à environ 4 ans. Ces ateliers donnent aux parents, on va dire, une base pour qu'ils puissent communiquer avec leur bébé pendant la période préverbale. Parce que souvent, on fait face aux pleurs, aux cris, aux frustrations, parce que c'est un petit être, donc il a des besoins et qui n'arrive pas forcément à exprimer. C'est un beau tremplin, voilà, pour ça. Avant d'ouvrir l'entreprise, j'ai fait des études de médecine. Et je suis tombée enceinte. À la naissance, on a vu que mon fils était porteur d'un handicap, donc il a une trisomie 21. J'ai décidé, en fait, à ce moment-là, d'arrêter mes études. Je me suis dit qu'il avait besoin que je sois là, donc j'ai arrêté. Quand il est rentré à l'école, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé 2 ans en garderie périscolaire. Avec l'emploi du temps que j'avais pour lui, et puis il était souvent malade, c'était compliqué. Le statut de salarié ne me convenait pas du tout. Je me suis dit, il fallait que j'ouvre mon entreprise. Parce que c'est vrai que tout est parti au niveau de mon fils. Il avait du mal à communiquer, donc il a commencé à signer en inventant des signes. Et je me suis dit, quitte à ce qu'il signe, autant qu'il le fasse correctement. Et j'ai découvert la langue des signes, je me suis formée, j'ai aimé ça, mais vraiment, ça a été vraiment le déclic. J'ai passé mes formations, j'ai passé mes diplômes. Moi, ce que j'aimerais, pouvoir embaucher justement des personnes qui sont porteuses de handicap, malentendantes, porteuses de sédité ou autres. Et puis, je me dis aussi, c'est vrai que mon fils, il participe aux ateliers. Comme il signe beaucoup, du coup, il aime vraiment ce qu'il fait. Et moi, j'espère, à travers cette entreprise, que mon fils, si ça lui plaît, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, pourra avoir un emploi et proposer et puis faire connaître au monde aussi que le handicap, ce n'est pas forcément quelque chose qui freine. Voilà. C'est un monde à partager et plein d'échanges, voilà, et de richesses. Bien dans ses signes, bien dans sa communication, bien dans son corps, de quoi préparer un adulte heureux et épanoui.